Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. C'est rendez-vous, comme je l'ai toujours dit, du décryptage, de l'analyse, mais aussi du commentaire de l'actualité au niveau non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi au-delà de nos frontières. On va aujourd'hui nous attarder autour des deux principaux sujets et un troisième sujet va aussi s'ajouter, je crois, à la fin de l'émission. On va faire les points sur la destitution du gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, jeune frère de l'ancien président et actuellement sénateur à vie, Joseph Kabila, qui est déchu de ses fonctions de gouverneur pour incompétence, mégestion, détournement des fonds et manque du leadership, selon les 13 députés provinciaux qui ont initié une motion de censure contre lui et l'ensemble de son équipe gouvernementale à la tête de cette province. On va aussi faire les points sur l'état de siège, la nomination des gouverneurs militaires et de leurs vice-policiers, les commentaires de Martin Fayulu et Adolphe Mouzito qui estiment que l'état de siège n'a pas sa raison d'être. On signale aussi la contestation du mouvement citoyen Lutte pour les changements en sigle Lucha qui s'oppose aussi à l'état de siège tel que décrété par les présidents de la République. On va chuter avec les dossiers Richard Mouyège et la province du Lualaba. Qu'est-ce qui se passe exactement à la tête de cette province? Richard Mouyège, qui a été évacué au niveau de l'Afrique du Sud depuis un moment pour raison de santé, il est de retour au pays, mais bloqué ici à Kinshasa, semble-t-il. Et là, c'est la vice-gouverneure Fifi Masuka qui assume l'intérim. Beaucoup de limogeages, beaucoup de révocations, beaucoup de suspensions. Qu'est-ce qui se passe? On va tenter de faire les points autour de cette question avec sur ce plateau Maître Mardochien, c'est le coordonnateur national de la nouvelle génération pour les changements et membres de la société civile qui est à sa première participation à cette émission. Bonjour maître. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Non, ça va, j'ai fait gaffe. Vous nous faites savoir que vous faites partie de la société civile, mais depuis un moment, la société civile pose problème ici au pays. Il y a des sociétés civiles proches du pouvoir, proches de l'opposition. Alors finalement, on ne sait plus vous différencier. Qui fait quoi dans la société civile? Bon, vous savez, le problème, c'est que la société civile proche du pouvoir, la proche de l'opposition, bien sûr, les gens peuvent le dire, parce qu'il y a les autres qui se comportent ainsi, mais à mon humble avis, c'est que moi, je suis ni proche du pouvoir, ni proche de l'opposition. Ce que j'apprécie, c'est ce qui est bon. Et ce qui est mauvais, je décourage. Alors, vous savez, aujourd'hui, avec la compréhension de commun des mortels, s'il faut le dire, lorsque tu apprécies quelqu'un que l'autre n'apprécie pas, il va te faire passer pour protel. Et lorsque tu t'opposes à l'autre pendant que... Donc, c'est vice-versa. C'est aussi un grand travail. Les leaders d'opinion doivent vraiment tirer attention et surtout marteler sur cette question. On doit expliquer, n'est-ce pas, à notre peuple, le rôle de la société civile. C'est quoi? On n'est pas interdit d'applaudir ce qui est bon, mais nous sommes aussi obligés de décourager comme nous le faisons. Parce que la malfaisance, surtout institutionnelle, a pris le niveau de paroxysme. Ici, en République démocratique du Congo, nous devons faire la différence. Et surtout, nous qui sommes jeunes. C'est aujourd'hui, le rôle des associations sous le régime de Joseph Kabila, parce que c'est une coutume que nous avons héritée, c'est un système. C'est les dialoguistes, c'est chanter quelqu'un d'une manière ou d'une autre. C'est accepter et soutenir même le mal. Alors, moi j'ai compris qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prêcher par exemple. Il faut prêcher d'une autre façon par rapport à ce que à nos prédécesseurs. Les jeunes qui ont prêché par exemple par le dialoguisme, mais nous pouvons venir par la vérité, à la franchise. Nous devons accompagner ce qui est bon et décourager ce qui est mauvais. Parce que le Congo du demain, c'est un Congo qui doit être battu sur un socle de valeurs. Mais comment vous réagissez lorsque intervient par exemple les moments de partage, comme vous l'appelez communément, partage du gâteau ou composition du gouvernement? Il y a la société civile, une frange de la société civile qui revendique aussi un côté dans le gouvernement, alors que vous avez pour rôle d'être la sentinelle du pouvoir. Comment vous réagissez face à de telles prises de position? La plupart des gens ignorent leur rôle. Par exemple, comme je suis en train de faire mon combat, c'est que je fais la pression plus au gouvernant. Ce que le gouvernant doit, conformément leur manière de gestion, selon la vision du chef de l'État, et surtout la prise en compte des déserteurs, la population, et surtout la souffrance du peuple. Et nous avons un œil regardant sur la gestion. Est-ce que les finances sont bien gérées? Est-ce que les institutions sont bien gérées conformément au texte abstrait? C'est ça notre question. C'est ça le combat de la société civile. Ce n'est pas être membre de l'exécutif, non. La société civile n'a pas la place dans l'exécutif. Dès que tu es dans l'exécutif, tu cesses d'être société civile, tu deviens politicien. Tu deviens gouverneur, tu deviens ministre.
Tu vois, tu pourras pas exercer. Il y a quelques années, on avait vu dans les gouvernements Badibanga, des membres de la société civile, gouvernement Tshibala même. Est-ce qu'on a encore quoi l'essence même de la société civile dans notre pays? L'autre fois, j'avais dit, c'est la politique qui influence, n'est-ce pas, les positions des uns des autres. La plupart des gens qui sont dans la société civile, ils ont faim. Ils ont faim, ils ont besoin d'avoir à manger, ils ont besoin d'avoir un costume. Mais pourquoi ne pas intégrer directement les partis politiques? C'est ça, ce qu'il fallait faire. C'est ça le chemin, je voudrais arriver là-bas. Mais le problème, c'est que le système, le kabilisme comme système de gestion, avait beaucoup de faiblesses. Et lorsque le tshisekedisme s'installe comme un nouveau système qui vient avec de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, c'est que le tshisekedisme devrait d'abord étudier les faiblesses, faire un état des lieux du kabilisme. Le faiblesse, c'est quoi? Et quels sont les mécanismes qui sont mûrus, n'est-ce pas, en fonction de ce qu'on a découvert comme faiblesse et ce qui doit être appliqué comme plan d'action. Plan d'action qui est taillé sur mesure, qui est taillé sur les faiblesses du kabilisme. Et ça aussi, c'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est un processus. Et ça, il faut avoir des gens crédibles, des gens capables, des gens qui incarnent la vision du chef de l'État. Le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, comment est-ce que vous pouvez marcher, comment vous pouvez combler les vides du kabilisme? On ne peut pas combattre un système avec des petites actions. Très bien. Même s'il y a aujourd'hui, comme vous avez soulevé, il y a des gens qui s'opposent à l'état de siège. On en parle d'ailleurs tout de suite. Autrefois, c'est un coup de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Très bien, état de siège, parlons-en. Les présidents ont décidé, nous sommes le 6 mai aujourd'hui, je crois, c'est les débuts de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, deux provinces touchées par l'insécurité depuis plusieurs années, une décision ou une mesure saluée par les uns, mais contestée par les autres. Alors, vous, comme membre de la société civile, quelle lecture avez-vous faite de cette décision de décréter l'état de siège dans les deux parties du pays touchées par l'insécurité? Et là, vous savez, nous ne pouvons pas vouloir une chose de son contraire. Ça fait longtemps que les Congolais ont parlé. Les gens ont manifesté. Les autres sont même morts pour réclamer et revendiquer la paix à l'est du pays. Et nous continuons toujours à enregistrer des morts. Moi, je ne veux pas dire que les gens qui s'opposent aujourd'hui sont plus soucieux que Tshisekedi, qui est même le président de la République, le numéro un de la République, le commandant suprême des forces armées, qui est censé étudier la situation à la loupe, plus que nous qui n'avons même pas assez d'informations sur la situation de l'est. Quelqu'un qui ne connaît pas les dossiers, quelqu'un qui ne maîtrise pas quels sont les mobiles de cette guerre, la continuité de cette guerre, les atrocités que nos frères sont en train de subir là-bas. C'est comme, comme le principe le dit, mieux vaut s'attaquer à la cause qu'au symptôme. C'est que le chef de l'État a eu le temps d'étudier. C'est quoi le problème? Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème sans identifier les mobiles de problème. C'est que tant soit peu, le chef de l'État à son niveau a compris que voilà, il faut décréter un état d'urgence. En même temps, se faire accompagner par un autre pays. Vous comprenez? Mais il y a eu des accords qui ont été signés avec les pays voisins. Nous avons fait des discours devant les tribunaux des Nations Unies. Nous avons multiplié, n'est-ce pas, des sonnettes d'alarme pour dire que voilà, le pays est en train d'être occupé par les expatriés, les pays voisins, ainsi de suite, au profit de nos intérêts, de leurs intérêts plutôt. Donc, ils nous tuent pour nous exploiter. Le chef de l'État a pris une décision qui tombe à point nommé. Et aujourd'hui, on ne peut pas agir en tant que la Mouka, en tant que UDPS, en tant que qui ce soit. On doit, sur cette question, on doit agir en tant que Congolais. Parce que c'est une question de tout le monde. Voir Fayou le sortir de sa torpeur pour dire que non, ça n'a pas de raison d'être. Moi, c'est des aventures. Pourtant, c'est le même Fayou qui a envoyé les gens dans la rue il y a, je crois, 2 ou 3 semaines ici pour manifester sûrement. L'insécurité qui sévissait dans la province. Alors, quand on prend des mesures, Fayou va dire que non. Également, écoutez, autrefois, il faut savoir se gêner avant de gêner les autres. Fayou, il ne pourra pas devenir Tshisekedi d'aujourd'hui, ou soit il veut imiter le Tshisekedi le père pour faire une opposition radicale. Non, Tshisekedi nous a prêché par exemple. Au contraire, nous avons coopté Tshisekedi dans notre combat, c'est par rapport aux valeurs démocratiques. Reconnaître ce qui est bon, c'est ça l'opposition républicaine. Le monde évolue, les institutions évoluent, la politique aussi évolue, parce que la gestion des institutions se conforme aux réalités de l'air. Nous avons un problème à l'aise, les gens sont en train de mourir, mon frère. Chaque jour, les gens meurent. Nous avons la chance de manger du chocolat, se promener, regarder le match à l'aise, tout ça, pendant qu'il y a les autres qui n'ont pas eu le temps de prendre même un téléphone, dire bonjour à son chéri, ou comment vont les enfants, ainsi de suite. Et chaque fois, nous voyons qu'il y a des vidéos dissons sur les réseaux sociaux, et quand le chef de l'État va dire, aujourd'hui, nous devons prendre une décision de manière la plus définitive, énergétique, pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'insécurité à l'est du pays, je vois la frange d'opposition qui a réclamé la paix à l'est, ils ont manifesté sur la rue pour dire, voilà, nous avons besoin
que les mesures soient prises parce que c'est le chef de l'État qui décide en tout état de cause. Ce n'est pas Fayoulou. Ça, c'est pas une bonne opposition. Ou on veut jouer au véritarisme politique pour que les gens ne découvrent pas là comment est-ce que vous êtes au four au moulin. Non. Nous connaissons comment Fayoulou est devenu politicien. Nous connaissons pas comment Fayoulou est devenu candidat président de la République. Et nous connaissons aussi que dans quel état il a capoté. C'est qu'il a un problème de légitimité. Il joue de légitimité douteuse. Comprenez que les chefs de l'État prennent des mesures qui tombent à point nommé, qui sont saluées par tout le monde. Si Fayoulou s'oppose, hein, avec une frange d'individus, je vais vous dire, il y a des milliards et des milliards de Congolais qui soutiennent l'initiative du chef de l'État, dont moi je fais partie. Moi j'ai compatis avec ces gens, en vérité. Et nous ne voulons pas les gens qui font semblant de se cacher derrière des petites activités, des petites déclarations pour susciter des actions de légitimité non plus. Le chef de l'État prend une décision responsable. L'état de siège, c'est une innovation, c'est pas une innovation, chef de l'État, c'est constitutionnel. Et cette décision est prise à point nommé, c'est pour mettre fin à ces atrocités. Et à notre niveau, ce que nous pouvons faire, là je me réfère au récent discours du chef de l'État, son adresse, il a dit que nous devons accompagner nos vaillants les combattants. Oui, nous devons les soutenir. Nous ne pouvons pas décourager. Les louches, nous connaissons que sur tout ce mouvement citoyen, la plupart des gens sont corrompus. La plupart des jeunes qui sont là-bas sont manipulés par quelques politiciens. Mais ce sont des mouvements rattachés à la société civile. On en dit ce qu'on ne vient pas. On en dit ce qu'on ne vient pas. Vous faites partie. Mon frère, nous sommes une jeunesse qui doit prêcher par exemple. Faire une politique de valeurs, une politique calme, une politique qui incarne beaucoup de valeurs. Pas une politique d'instrumentalisation. Quand la lutte s'oppose à la décision du chef de l'État, qu'est-ce qu'il en sait? Il connaît quoi sur la situation de l'Est? Je connais que les gens sont morts. Nous sommes tenus aux résultats. Nous ne sommes pas tenus aux moyens. Que quelqu'un vienne ici sur le plateau et dit, voilà, on a transgressé. Écoute, le principe de la démocratie dit ceci. Mieux vaut sacrifier la vie de 10 personnes pour sauver, préserver la vie de 100 ou 200 personnes. Le chef de l'État a pris de bonnes mesures. Et jusqu'alors, il est dans la légalité. Il est soucié, n'est-ce pas, de protéger les Congolais. Et ainsi de suite. Nous avons besoin que le chef de l'État réussisse. L'état de siège, nous souhaitons seulement bonne chance aux vaillants combattants et que la paix règne à l'Est. Nous avons besoin que nos frères de l'Est retrouvent la paix, que toutes les activités reprennent, que les gens aillent au champ, que les gens trouvent la possibilité de se promener partout. Quelqu'un peut passer nuit à la belle étoile, il est à l'aise, il est sécurisé. Très bien. C'est ça notre souci. Alors j'aimerais que vous puissiez éclaircir cette zone d'ombre. On a nommé des gouverneurs militaires conformément à la loi des vice-gouverneurs policiers, les gouverneurs qui étaient en fonction, les gouverneurs des civils, donc, sont suspendus momentanément. Et pendant ce temps, ils vont continuer à percevoir leurs émoluments. Les députés provinciaux, même. Est-ce que c'est aussi constitutionnel ou c'est juste une faveur faite à ces civils qui sont suspendus pendant un moment? Est-ce qu'aujourd'hui, que nous parlons de la réduction du train de vie des institutions, est-ce qu'on doit encore continuer à payer des gens qui ne travaillent pas? Vous savez, il y a une chose. Le gouverneur de province, il n'a pas été nommé. Il a été élu. Et il peut être déchu que lorsqu'il y a une motion contre lui initiée à l'Assemblée provinciale. Très bien. Ou peut-être il est peut-être sujet d'une grave infraction flagrante. Peut-être que ça peut faire de lui un prisonnier, un prévenu, ainsi de suite. Mais jusqu'alors, ils sont gouverneurs et le gouvernement demeure. Mais suspendu parce que nous sommes dans un cas exceptionnel. Parce que l'échéance est constitutionnelle et déterminée dans les lois. Que c'est 30 jours renouvelables. Au cas où il y a quand même des persistances. Ainsi, on juge l'opportunité, n'est-ce pas, de l'initiative qui est prise par le chef de l'État. Moi, je trouve pourquoi pas les gens peuvent spéculer de la manière que peut-être l'argent serait dissipé. Non, ces gens, ce sont des autorités. Ils sont suspendus pour une bonne cause. Après l'état du siège, ils doivent reprendre leur poste. Et puis continuer là où les militaires ont laissé pour marcher dans le pas de la pacification de l'Est du pays. Très bien. Je ne pense pas qu'il y a un problème. Pendant le deuxième thème de l'émission, destitution du gouverneur Zoé Kabila et l'ensemble de son gouvernement. Zoé Kabila qui est d'ailleurs bloqué ici à Kinshasa, il n'a pas présenté ses moyens de défense. Est-ce qu'on a respecté la procédure? La procédure est respectée. Qui t'a dit officiellement qu'il est bloqué ici? Ce sont les spéculations que les gens disent. Le juge nous dit, mais il n'est pas au niveau de la province. Écoutez, vous avez le micro, vous avez les caméras. Je pense que vous devriez poser la question à Zoé Kabila. Il a été bloqué par qui et pourquoi? Ce sont des spéculations. Vous savez, nous sommes des analystes et on doit faire des bonnes analyses. C'est que Zoé n'est pas fondé, il est dans ses activités. C'est un officiel, il est venu pour autre chose. Mais officiellement, on n'a pas suivi un communiqué, une déclaration que Zoé a dit, je suis bloqué ici pour ceci ou sa cellule de communication. On ne peut pas créer des histoires. Zoé Kabila, qui ne connaît pas que Zoé Kabila, c'est un incompétent à ce poste-là.
entre nous soit dit. Ce n'est pas en vendant des vidéos, les escroqueries médiatiques partout, faire voir aux gens. C'est comme c'est ça, le comportement des héros, c'est celui des mouillages. Ils sont pareils. Écoute, le problème avec les Kabylies, la Kabylie qui était un mauvais système de gestion que nous avons connu en Afrique. Vous comprenez? Parce que le caractéristique de la Kabylie, c'est les détournements, l'impunité, l'institutionnalisation des détournements de fonds, tu vois, les tueries, l'insurrection, ainsi de suite. La violation des droits de l'homme. La violation des droits de l'homme. Et puis, la disposition de pacte international relatif aux droits de l'homme dit ceci. À son article 16, on dit un pays dont le droit de l'homme n'est pas respecté, donc ce pays n'a point de constitution. C'est comme ça que nous avons évolué sous Kabila. Et le recrutement aussi. Regarde que tout était taillé sous le pouvoir de Kabila. Il faut recruter même la médiocrité au sein des institutions. Et quand vous prenez des gens incompétents, des médiocres, des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui ne sont pas à la hauteur des fonctions pour lesquelles vous les avez appelés, n'est-ce pas? Ça va encore mettre en place un autre système dans votre médiocrité déjà installée. Parce que c'était un gouvernement sans vision, un régime qui ne servait à rien du tout. Nous avons vécu à un Congo où Jésus pouvait descendre du ciel et nous faire croire que voilà, demain, le lendemain, il y aura une délivrance. Alors, tous ces gens-là se sont retrouvés en position de force, avec beaucoup d'argent, des biens mal acquis. Ils ont payé des maisons, ils ont eu des influences à l'extérieur du pays. Ces gens ont laissé le pays sans infrastructure de base. Tu vois, la tissu économique trouée, la population en train de s'ouvrir, tout était par terre. Les pays étaient sales à tous les niveaux. Une mégestion notoire. L'argent était en train d'être canalisé dans les poches des individus. Et puis les mines étaient entre les mains des expatriés qui n'avaient même pas apporté de capital. On a bradé les mines. Vous comprenez? Alors c'est ça l'état dans lequel les Congo se trouvaient pendant qu'il y a eu une génocide qui se passe à l'Est. Mais non seulement à l'Est, mais moi j'étais au Kasaï. J'ai vu ce qui s'est passé avec l'avènement des Camerounais en Sapou. Aujourd'hui, on compte 52% de femmes veuves, parmi lesquelles il y a des femmes de 19 ans, il y a des femmes de 20 ans, il y a des femmes de 21 ans, veuves, avec 4 enfants, 5 enfants. Les taux de chômage, c'est 92% au Kasaï. Maintenant, quand une femme se retrouve avec 4 enfants, 5 enfants, et qui n'a pas de boulot, elle n'a pas la possibilité de rentrer en bourse, aller faire le champ, ensuite, parce que cette histoire a laissé encore des difficultés. Il y a des communautés qui ne s'attendent pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'héritage de la Kabylie. Alors aujourd'hui, les mêmes personnes demeuraient dans l'hypocrisie, dans l'histoire, parce qu'officiellement, Zoé a manifesté officiellement qu'il ne voulait pas accompagner le chef de l'État, parce que sur la liste des gouverneurs qui ont adhéré à l'Union Sacrée, il n'était pas là. Est-ce qu'il était obligé d'adhérer à l'Union Sacrée? Obligatoirement, ça c'est une obligation morale et institutionnelle. Même si le chef de l'État ne l'a pas dit. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, mais la démocratie a ses principes. Il est libre de jouir aussi de ses droits. Bien sûr. Un gouverneur de province, sur le plan de droit, c'est un représentant légal du chef de l'État en province. Comment toi tu peux représenter le chef de l'État? Tu es le patron de l'exécutif. Tu dois faire exécuter le projet de ce chef de l'État dans ta province conformément à travers ton programme d'action. C'est dans le programme d'action qu'on doit reprendre. La gratuité de l'enseignement est là-bas d'une autre façon. Il y a ceci, il y a cela, infrastructure de base, c'est dans ton programme d'action. C'est ça la vision du chef de l'État. Et l'Union Sacrée, c'est une vision, c'est un appel patriotique, n'est-ce pas? Mais qui concerne les gouvernants, c'est les animateurs des institutions. Nous, les gouvernants, nous pouvons apprécier de l'OMS. Hein? On ne peut pas prendre les décisions parce que nous n'avons pas l'impérium. Mais toi, tu es un gouverneur de province, tu dis ça. Est-ce que même si tu fais semblant de dire, voilà, aujourd'hui, le lendemain, je vais diriger selon la vision, c'est de l'hypocrisie. Alors, lorsqu'on a parlé de l'incompétence, vous voyez, les députés provinciaux, là, ils ne sont pas instrumentalisés. Ils ont étudié la situation, ils ont compris le marasme dans lequel la province est en train d'être plongée. Quelles que soient les escroqueries médiatiques que nous vivons ici, voilà, les développements... Ainsi mais on a présenté Zoé Kabila comme un très bon gestionnaire. Il a construit des grandes infrastructures au niveau du Tanganyika, fait des grandes réalisations. Vous savez, comment on peut destituer quelqu'un qui travaille dans l'intérieur? Ce sont des communs de mortels qui peuvent dire. Moi, je donne raison aux gens qui croient parce qu'ils regardent qu'à la télé. Mais la vérité sur place, c'est autre chose. C'est comme ce qui se passe dans le loi là-bas. Vous comprenez? On en parle tout de suite. C'est ça la politique de la Kabylie. Il faut faire des Photoshop, il faut prendre des vidéos, des bâtiments réhabilités, vous allez mettre de la peinture, on va mûrir, mettre une étoile pour faire voir aux gens. Et puis c'est ça ce qui est plus mauvais, plus que même les détournements. Parce que la personne qui est redevable en 2023, c'est le président de la République. Il a signé un contrat en 2018 avec le Congolais. Donne-moi un mandat de 5 ans. Voilà ce que je vous propose. Je ferai ceci, je ferai cela. C'est ça la vision. C'est ça le leadership. Mais l'environnement extérieur a été toujours hostile dans la mise en application d'une vision. C'est le peuple. Le peuple, il y a ceux qui soutiennent, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui restent radicaux dans leur position. Vous comprenez? C'est ça l'environnement extérieur. Mais les concepteurs de la vision, c'est le chef de l'État. Il a besoin d'une catégorie de personnes converties,
qui veulent, qui peuvent se comporter à des bons managers pour aider les chefs de l'État à réussir. On n'a pas besoin des hypocrites. Tu vas vendre les vidéos pour faire croire aux gens que les chefs de l'État travaillent dans la telle province. Pendant qu'en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Et la population est déçue. En 2023, les chefs de l'État seraient surpris de voir la population telle qu'on dit, voilà les chefs. On n'a jamais fait ça, c'était un mensonge. Est-ce que vous l'avez rendu à mon service? C'est pourquoi c'est le moment. Ça rentre dans le cadre des réformes institutionnelles. Il faut remplacer les incompétents par les hommes compétents. C'est ça même le renouvellement de la classe politique. Alors, il y a une renversement de valeurs. Il y a une question qui taraude, qui a toujours taraudé mon esprit. Oui. Lorsqu'il y a destitution des gouverneurs, généralement, on avance toujours comme argument qu'il est incompétent, il a détourné des fonds, il ne sait pas gérer. Alors, Zoé Kabila, par exemple, en ce qui concerne lui, il ne s'est pas autoproclamé gouverneur. Il a été élu. Mmh. Ils ont compétitionné à ses postes avec celui qui est aujourd'hui ministre du Plan, Christian Mwando. Mmh. Mais les députés provinciaux, les mêmes qui l'ont destitué aujourd'hui, ont jeté leur dévolu sur Zoé Kabila. Mmh. Alors, à quel moment, ou est-ce qu'avant de lire les gouverneurs en question, les députés prennent-ils le temps d'étudier minutieusement les profils de celui qu'ils vont élire comme gouverneur, ou c'est un vote motivé par les biais verts? Ça, c'est une bonne question. Hervé, c'est une très bonne question. Vous savez, les élections plurinominales, les élections, par exemple, des gouverneurs, c'était les élections de conscience chastée, les élections de 2018, même des sénateurs ici. On a décrié l'escroquerie, la fraude, la corruption. Il n'y avait pas de légitimité. C'est pourquoi je donne raison au chef de l'État qui a dit il faut qu'il y ait des réformes. Il faut que la loi sur les élections, la loi électorale plutôt, soit révisée pour que ces élections soient universelles et directes. Que le peuple soit en mesure d'élire son gouverneur et le vice-gouverneur. Pourquoi? Parce que les députés du FCC à l'époque, c'était le FCC qui était majoritaire, parce que les gens ignorent facilement. Il n'y avait qu'un Mbujimaï qui avait un seul gouverneur incompétent encore, comme Maweja. Oui, qui était à la tête de la province. Et puis, on a débloqué l'argent par la haute hiérarchie, je vais dire, le sommet du FCC, qui était prêt à tout pour gagner les élections au niveau de province. Ils ont imposé des escrocs à la tête de province. Je veux parler ici du Lualaba, Tanganyika, Sankuru, Kasai. Je vous dis. Et maintenant, ce genre-là, lorsque les choses ont changé, le mot d'ordre, le comportement, les conditions dans lesquelles ils ont été élus, comparablement à la réalité de l'air, ça ne va pas coller. Parce que le chef de l'État vient avec une directive. Pas de corporalisme. Voilà ce que moi je veux. Voilà ce que moi je veux. Et les députés aussi ont pris conscience. Pour eux, notre trop, c'est trop. Chef de l'État vient avec une vision noble. Voilà, voilà, voilà. C'est pour le peuple d'abord. C'est pour notre peuple. Parce que si nous participons à la vision chef de l'État, nous aurons aussi un alibi en 2023. Nous aurons un argument. Nous avons accompagné le chef de l'État dans le peu d'années qui restent. Qu'il parvienne, n'est-ce pas, à pallier aux problèmes des Congolais. Qu'il parvienne à répondre, même à 60%, parce que les warriors sont en train de travailler. Il doit faire en sorte que le travail qui devrait se faire dans un camp soit comprimé dans le 3 ans. C'est un grand travail. C'est pourquoi nous avons besoin de gens compétents, plus compétents, capables de répondre en toute autonomie devant des paris surprises. On n'a pas besoin de gens qui réfléchissent seulement pour aller en Europe. Comment il faut détourner? Comment il faut faire sortir les diamants, de l'or du pays de manière illégale non plus? C'est pourquoi je dis cette destitution, il l'a mérité. Il a mérité, sa place n'est pas là-bas. Est-ce que ce n'est pas une destitution téléguidée ou commandée depuis Kinshasa? Ah, téléguidée, c'est normal. Ce sont les députés du Tanganyika, non? Les mêmes députés qui l'ont élu en 2023 en fonction de quelques sommes qu'on leur avait données. Aujourd'hui, ils ont pris conscience que cet argent appartient à l'État, nous l'avons bouffé. Lui doit partir à remplacer ici quelqu'un qui est compétent pour que l'union sacrée gagne. L'union est sacrée. C'est-à-dire, c'est une union qui ne doit pas être infectée par les détourneurs, les incompétents, les ceci, les cela. Nous avons besoin de personnes très compétentes à la tête de toute province qui compose la République démocratique du Congo pour qu'on vive l'élan de l'union sacrée de la nation. Ce n'est pas de l'acharnement, nous ne sommes pas sous Kabila. Nous sommes sous Tshisekedi. Le tshisekedisme, comme mode de gestion, nous a amené beaucoup de réalités qui nous ont mis à l'aise. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la médiation tout en étant libre sur le plateau. Vous comprenez? Nous ne sommes pas inquiétés, même s'il y a des menaces de part et d'autre. Je pense, la Bible, on a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes contre ce genre, ce sont nos frères congolais, mais qui se sont mal comportés en rapport avec la mission pour laquelle nous les avons donné. Il y a des gens qui n'ont jamais été élus, ils sont députés. Donc, tout était possible. On a institutionnalisé les détournements de fonds, parce que récemment, vous avez compris qu'il y avait même des décrets qui ont été signés, interdisant à l'IGF de faire son travail dans les régies financières.
Ça, c'est terrible. C'est pourquoi je vous dis, l'UGF doit faire un travail et il est tenu aussi aux résultats, pas aux moyens. On ne peut pas seulement arrêter des individus, mais dans la caisse de l'État, on ne prouve pas que l'argent qui a été détourné a été remboursé. C'est la grande question. On a condamné ici les gens dans l'affaire Sanjo. Mm-hmm. Aujourd'hui, on ne sait pas où est passé tout cet argent. On a parlé des 300 millions, 57 millions. Oui. Mais vous savez, c'est l'UGF-là fait le travail, mais l'UGF doit faire réellement le travail. Pas jouer avec le média. Parce que les médias ici, on peut vous vendre n'importe quoi. L'inspecteur des finances, nous sommes au contrôle de son pouvoir. Nous sommes les sentinelles du peuple. Nous sommes là pour aider le peuple à se retrouver. Vous êtes un monsieur très crédible. Nous avons du respect pour ton travail et pour ton poste. Nous soutenons l'UGF dans ce qu'il fait. Mais nous mettons aussi l'UGF en garde. Parce que quelqu'un qui aime beaucoup peut aussi beaucoup haïr. C'est pourquoi l'inspecteur doit faire un travail pour donner aux Congolais ce que les Congolais ont besoin. Il a promis des enquêtes au niveau de l'Assemblée nationale, la gestion des Mabunda, au niveau du Sénat aussi avec Tabwe Mwamba et quelques ministères. Et je me pose beaucoup de questions. Pourquoi ça tarde? L'inspecteur doit recevoir Mouyège là-bas, il le reçoit. Très bien. Avec de légers sourires, comme s'il n'avait pas, il n'a jamais été cité d'un détournement. Or, c'est scandaleux dans le Lualaba. Très bien. D'une province à une autre, quittons les Tanganyika pour aller au Lualaba. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Richard Mouyège et madame la vice-gouverneure Fifi Masuka? C'est Masuka ou Masuka? Fifi Masuka. Masuka. Qu'est-ce qui ne va pas entre les deux? Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Sahine, c'est une femme à féliciter. Parce que les femmes ont... J'ai vu partout, les femmes faisaient des déclarations pour que les femmes... Et aussi accès au poste de commandement. J'ai compris que les mamans, là, ils avaient raison. Parce que la démonstration de force que Fifi Masuka a fait dans le Lualaba, c'était un acte de délivrance de l'institution. Pourquoi? Le gouverneur a détourné beaucoup d'argent sans que personne ne le connaisse. Mais avec madame le ministre... Avez-vous des preuves de Mais bien sûr, c'est que le ministre de la Vérité va même poser la question à Gilles Alignet, il vous dirait que dans le Lualaba, c'est grave les détournements. Pourquoi? Madame a dénoncé sous l'existence des comptes fictifs, c'est la vérité. Madame a dénoncé sur la réalité des promesses, c'est la vérité. Et lorsque nous avons approfondi des enquêtes, 83 millions de dollars de rédevabilité, tandis que la province reçoit 10 millions, 800 quelques milliers de dollars par mois comme rédevance minière. Mais la province ne vit pas seulement des rédevances minières, il y a aussi des taxes, des concentrés, des vignettes, ainsi de suite. Il y a absence de traçabilité dans le paiement des taxes des autres entreprises minières. La canalisation des recettes, on ne connaît pas, ça va dans quel compte, parce qu'il existe beaucoup. Et ceci corrobore avec l'existence des comptes fictifs. Le compte du trésor est alimenté par le seul taxe de TFM, Tenkefungurum et Mining. On se pose trop de questions là-dessus. Le projet agricole Murikita, c'était un champ d'un individu, un particulier, 3500 hectares de maïs du colonel Murikita. On l'a proposé par Mouyège 3 millions, on a donné 2 tiers, le reste d'argent, on n'a jamais payé. Lorsqu'on a pris le maïs a été bloqué, 11 000 tonnes de maïs par M. Erahim parce que Mouyège a ses dettes. Et le reste, c'est, on a essayé de transformer quelques maïs. Mais le projet a coûté 26 millions de dollars. Et la province a gagné que 110 000 dollars. Ça, c'est la vérité. Si quelqu'un a une preuve contraire, qu'il vienne me contredire ici. Mouyège va vendre l'hôpital Mwangeju. 2 hectares. Au même Erahim, là. 2 600 000. Lorsque lui arrive, il dit non, ce n'est pas 2 600 000. C'est 1 80 000. Et il est contredit par le ministre de la Santé. Mais alors, l'Assemblée s'oppose. Il envoie un député qu'on vient d'éjecter au sein du bureau. Il a insulté les députés, il les a taxés des ignares. C'est la même personne qui avait taxé Moïse Katoum de la personne non grata dans le Lualaba. Ça, c'est un élément. Et l'UGF n'a pas d'élément. La réduction de comptes n'a jamais travaillé. Vous comprenez? C'est un bureau administratif qui a pour objectif de faire un rapport comprimé entre que les recettes de la province et les dépenses. Combien est-ce que la province a enregistré en termes de recettes et combien est-ce que la province a alloué? On fait ce rapport, il y a une équipe technique et puis c'est un travail d'équipe. Et très technique, qui peut faire 4 mois parce que la province enregistre des sommes colossales. Et quand on va faire ça, après on prend le rapport, on envoie à la direction générale de la réduction des comptes ici à Kinshasa. Et la direction générale à son tour dépose à la cour de compte. C'est ça la procédure. Mais le contraire, c'est que Mouyège va appeler avec ce ministre de finances et le chef de finances, un monsieur soi-disant expert en réduction des comptes, un particulier, dirons d'Anselme. Il vient dans le Lualaba, il fait la forfaiture là. Il fait le plaisir des auditeurs de compte, il envoie à la cour de compte. Et quand on arrive, on va falsifier. C'est un rapport fictif qui relève de l'imaginaire. Vous comprenez? C'est ça ce qui se passe. Et lorsqu'on parle des auditeurs de compte, nous sommes menacés à mort. Parce que c'est là où il y a le secret des grosses sommes et sommes d'argent qui sont canalisées dans les poches des individus. Le gouverneur le plus riche de la République de Mouyège. Mais comment il est devenu? Dans moins de 5 ans.
Il fait fonctionner le gouvernement provincial sans statut juridique. Tous les conseillers là-bas n'ont pas de statut juridique. Mais dans la prévision budgétaire, il a laissé des dépenses, les salaires sont déjà déterminés. Et quand l'argent sort, n'est-ce pas? Ces gens n'ont pas le droit de réclamer leur salaire. Ils ne peuvent même pas porter plainte parce qu'ils sont des collaborateurs. Ils se contentent de tout ce qu'on leur donne. Et ils sont exposés. Ils sont exposés pourquoi? Parce qu'ils peuvent commettre une infraction en fonction de ce qu'ils assument comme fonction au sein du gouvernement provincial. Ils seraient poursuivis pour usurpation de fonctions publiques. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement provincial fonctionne sans job description. On a détourné ici 32 millions de carburants qui étaient orientés. C'est la douane qui a fait des révélations à l'IGF. Et le ministre qui a démissionné, c'est lui qui a fait ça. Mouyej a donné l'ordre au ministre de ne pas obéir à Fifi Masuka. Fifi Masuka fait des réunions pour faire comprendre aux gens que je ne suis pas un ennemi de personne. Je suis venu ici en tant qu'intérimaire pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider le chef de l'État. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a adhéré à la vision du chef de l'État. C'est comme ça qu'on peut diriger la gestion orthodoxe. Non, ce n'est pas une gestion orthodoxe. Alors qu'est-ce que Fifi Masuka a déjà fait depuis qu'elle a remplacé, bon pas remplacé, mais depuis qu'elle assume l'intérim à la tête de cette province? Je serais prétentieux si je dis qu'elle a beaucoup fait dans 4 mois. Mais il y a des avancées très significatives qui donnent la joie. Vous comprenez? Parce que Fifi arrive et l'a évangélisé, l'Assemblée provinciale adhère à l'Union sacrée. Vous comprenez? Parce que c'était difficile de parler de ce qui est dans le Rabat Soumouyej. Est-ce qu'elle avait pour mission d'évangéliser l'Assemblée provinciale pour qu'elle adhère à l'Union sacrée? Non, ou sa mission non, parce que de booster les activités de la province d'une manière générale? Non, moi je vous donne, c'est juste le demi. Parce qu'il n'y a personne dans le Rabat qui avait manifesté la volonté, parce que tout était cabinisé d'accompagner les chefs de l'État. Donc Fifi Masuka l'a fait. Parce que Mouyej a dit, il a 66 ans, il ne pourra pas soutenir Tshisekedi dit, parce qu'il demeure kabiliste jusqu'à la mort. Vous comprenez? Alors, elle a dit, non, le chef de l'État, c'est Tshisekedi dit. Il faut adhérer à la vision du chef de l'État pour l'accompagner. Après, il y a des projets qui ont été ressuscités. Deuxième mis dans les oubliettes, le projet avec les logements sociaux, la nouvelle ville qui devrait être composée à 45 km, Ouan, c'est la Katémi. C'est un projet qui a été annulé par l'ARMP, par la mauvaise foi, et qu'il y avait une main noire derrière. Parce que ces projets pouvaient prendre en charge toutes les femmes, n'est-ce pas, qui sont chassés par les entreprises minières qui passent à la belle étoile avec les enfants pendant que les enfants des mouillages et des ministres passent dans leur maison. Alors, ce projet est là. Il y a le pont Fatih Béton qui est en train d'être construit. Il y a 45 km de route qui sont en train d'être faites. Vous comprenez? Il y a aussi l'organisation de l'administration. Il y a des intrus qui étaient là-bas. Il n'y a pas de compte comptable dans le loi là-bas. Même les financiers qui sont là-bas, au sein du gouvernement, ce sont des gens qui ne sont inconnus par l'administration publique. Il y a aussi des agents fantômes qui existent au-delà de 100 personnes. Il y a des journalistes fantômes qui existent au-delà de 50 personnes. Ils reçoivent chaque mois 800 $. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses que Mme le vice-gouverneur a cherché à mettre en ordre. Et elle a vendu la vision du chef de l'État. Le peuple apprécie le chef de l'État. On espère quelque chose de positif. C'est quelque chose à encourager. Très bien. Avant, dernière question, avant de boucler cette émission. Oui. Fifi Masuka a assumé l'intérim de Richard Mouyej. Et vous avez décrit ici tout ce que Mouyej a commis comme bavure. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui accusent Fifi Masuka de régner de manière illégale. Elle suspend quand elle veut, elle révoque quand elle veut. Et là, c'est les ministres provinciaux du transport et budget, je crois, qui venait de démissionner, qui a révélé qu'il n'y a plus moyen de travailler dans ces climats instaurés par Madame la vice-gouverneure. Alors, le climat est dans le bon. C'est parce que les gens ignorent ce qui se passe dans le Lualaba. Il y a 4 ministres. Kapwata a détourné. Il a détourné le carburant qui était destiné aux travaux du gouvernement provincial. Le montant s'est élevé à 32 millions. Il a voulu fuir pour se cacher derrière les immunités parlementaires. Il a déposé sa démission le 29. C'est sur ordre de son chef. C'est pour camoufler le détournement. L'Assemblée a écrit avant sa démission au gouverneur, il a dit, madame, que tous ces gens déposent leur démission, mais les autres doivent d'abord attendre parce qu'ils sont répondants jusqu'à aujourd'hui. Il y a une commission qui est en train d'être mise en place pour enquêter sur leur gestion. Voilà les motifs. Kapwata a détourné. C'est pour qu'il les ministres des budgets voulaient déjà fuir. Il a été suspendu parce que c'est depuis le 18 décembre. Lui et les directeurs. C'était quoi les motifs de sa suspension? Le motif, c'est l'absentéisme et la rébellion. Imagine qu'un ministre qui ne fréquente pas le bureau depuis le 18 décembre, madame a attendu une justification. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est un empêchement? La personne ne fréquentait pas le bureau? Et on n'a pas de nos techniques? Il y a des choses qui se faisaient et elles faisaient semblant. Et le ministre de mine vendait des taxes de manière la plus illégale.
en connivence avec quelques agents des banques de la place, il y a des sacs qui sont vendus, on livre des faux documents, délivrer des imprimés de valeur, ce qu'on donnait là-bas. C'était des faux et que l'argent était canalisé dans les comptes des individus. Il était aussi pressé pour des missions. Non, 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 on doit d'abord enquêter dans ton secteur. Si tu n'es pas ce qu'on dit et que ce n'est pas vrai, alors tu vas te déposer ta démission. Et la plupart ont eu peur, les autres voulaient déjà fuir. Vous comprenez? Donc, madame n'a pas inventé et n'a pas révoqué. Il n'y a pas un cas de révocation. Parce qu'au nom du principe de parallélisme de forme, c'est que la personne, la signature qui a investi, c'est elle qui détient le droit de veto pour, révoquer. Alors, madame a fait que respecter la loi et jusqu'alors, ça a donné un bon climat, un climat d'assainissement, parce qu'il faut assainir les institutions pour bien évoluer. Alors, là, il n'y a pas un problème d'acharnement. Jusqu'où ira ce climat de guerre, de tension entre madame la vice-gouverneure et les membres de l'exécutif provincial? Ça ira, non. Jusqu'où? Ces gens-là, ceux qui s'agitent, ce sont les bourgeois. Comment remettre de l'ordre? Parce qu'il y a déjà un monsieur, celui qui a éjecté. Celui qui a éjecté, c'est celui qui mettait des désordres, inciter les gens à la haine, parce qu'il faut d'abord qu'on l'arrête. Celui qu'on a déjà arrêté, condamné à une année de prison pour incitation à la haine tribale. Les gens là, ils sont mécontents parce qu'ils ont vu leur chef, en fait, de vitesse. C'était un détournement, ainsi de suite. C'est ainsi qu'ils faisaient de tout moyen. Ils ont même voulu dédoubler l'Union sacrée de la nation. Il y avait déjà l'Union sacrée El Mouyej, composée de 4 députés. Très bien, on va terminer l'émission. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire confiance à cette dame qui a voulu accompagner le chef de l'État. Parce que quelqu'un qui n'accompagne pas le chef de l'État, qui va saboter, remettre en cause les compétences du chef de l'État, en tout cas, d'après moi, ce n'est pas quelqu'un de bien. Et en deuxième position, si tu es dans des détournements et le blanchissement des capitaux, on ne peut pas accepter que des personnes pareilles reviennent à la telle province. Alors, moi, je trouve que le chef de l'État doit vraiment... Dernière question pour se séparer. Quel est ce mythe qui se cache derrière la grande province du Katanga? On a connu Moïse Katumbi comme gouverneur de cette province. Il a été vanté comme bon gestionnaire. Les peuples de l'époque avaient même demandé à d'autres gouverneurs d'aller au Katanga pour apprendre comment gérer. Katumbi est parti, on a sorti tout ce qu'il y avait comme cadavre laissé dans les placards. On va démembrer la province en quatre. Là, Richard Mouyej va d'abord aller comme commissaire spécial. On a aussi vanté les actions de Richard Mouyej. Il aurait construit les lois là-bas, les grandes infrastructures. Il a fait. Et aujourd'hui, Richard Mouyej, c'est le diable. Zoé Kabila, même au niveau du Tanganyika, il a fait. Et aujourd'hui, c'est l'incompétence, c'est l'homme qui a détourné les fonds. Alors finalement, quel est ce mythe qui se cache derrière les Katanga dans ton ensemble? Moïse Katumbi est différent de Mouyej. Parce que Mouyej, avant qu'il soit politicien, il n'avait pas l'argent qu'avait Moïse. Moïse avait déjà une position sociale très battue, vous comprenez? Il était déjà un grand homme d'affaires et il a amélioré le climat d'affaires que Mouyej est venu hériter. Les 180 km de route, c'est Moïse Katumbi, 45 km, c'est Moïse Katumbi, les stades, l'électrification, c'est Moïse Katumbi. Mouyej a hérité, il a apprécié la vidéo et là, il circule. Vous comprenez? Donc, à mon niveau, ok? Chaque personne a son côté positif et négatif. Mais en ce qui concerne la gestion des institutions, ça nous intéresse. Mais sur le plan institutionnel, moi, je n'ai pas vu là où Moïse a fâché. Vous voyez, tant soit peu, Moïse a fait des avancées très significatives. Parce que c'est sous Moïse où le Grand Katanga a pris l'élan. Et la province, le Grand Katanga, à l'époque, participait au budget national à 70%. Actuellement, le Grand Katanga, s'il faut mélanger, ça passe à 14,9%. Donc, même Fifi donc de 70 pas... à 10. Non, Fifi Masuka fait l'intérim. Elle a des restrictions légales. Même si elle se bat, vous avez vu qu'elle a fait des avancées. Tout en étant intérimaire, elle a fait de grandes choses dans 4 mois. Alors, ce qui donne l'espoir, qui inspire confiance. Maintenant, par rapport à la gestion générale de Mouyej, c'est une gestion opaque. Ce n'est pas une gestion orthodoxe. Moïse Katumbi, on ne peut même pas le comparer à Mouyej. Il a fait un grand travail plus que Mouyej. Et Mouyej a hérité sa situation. Il s'est servi de la situation que Moïse avait laissé la province. Et c'est ça. Donc, moi, je pense que ce qui se cachait derrière la gestion du Grand Katanga à l'époque, c'est le kabilisme. Il fallait jouer avec les médias, il fallait mentir les gens. Mais pendant qu'on se sert de ces scrupules médiatiques pour régler la population au profit des intérêts. Merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Ça en est fini pour ce nouveau numéro de votre magazine ActuBase. Merci de votre sympathique et réelle attention. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.